La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont condamné l'expansion du programme nucléaire iranien. Ce mardi, l'Agence internationale de l'énergie atomique l'avait confirmé. Téhéran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine souterraine de Fordo, en plus de la production déjà lancée à Natanz depuis le mois d'avril 2021. L'Iran se rapproche donc des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Pour les puissances occidentales, il n'y a aucune justification civile crédible au programme d'enrichissement de l'Iran. Cette nouvelle porte un coup aux espoirs de relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Ce dernier avait plafonné l'enrichissement d'uranium du pays à moins de 4%. De son côté, la Maison-Blanche a exprimé sa profonde préoccupation face à la progression du programme nucléaire iranien.